Proverbe chapitre 10 à partir du premier verset. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. On reprend. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. On veut que ton Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Il y en a les graisses. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Pierre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. On veut, mais au Père, Jésus est vainqueur. Toute la terre chante en son honneur. Je ne sais pas le jour où je verrai le roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure, la lumière. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Que je ne sais quels seront les chants des bienheureux. Les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Toi, je ne sais quel sera le palais éternel. Je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre. Bienvenue à l'école de l'excellence. À l'école de l'excellence, tout ce que nous faisons doit être soigné. Ça commence par les petites choses chez nous. Une personne qui veut vivre l'excellence doit prendre la décision. On n'a pas besoin du milliard pour être excellent. On a besoin d'abord de se décider. Dans notre petit environnement de vie, dans notre chambre, dans notre maison, dans nos toilettes, dans notre cuisine, notre façon de traiter nos cahiers, nos blocs-notes, il faut qu'on y retrouve l'excellence. Notre façon de ranger nos matériels, il faut qu'on y retrouve de l'excellence. Notre façon de classer les chaises à l'église, il faut qu'on y retrouve l'excellence. Notre façon de s'habiller, notre façon de se maquiller, notre façon de se coiffer, notre façon de marcher, notre façon de parler, il faut qu'on y retrouve de l'excellence. Cette semaine, nous parlons de l'alpha et l'oméga pour dire à l'église que l'excellence commence par Dieu et finit avec Dieu. Si tu veux vivre une vie d'excellence, il faut que tout ce que tu fais commence par le Seigneur. Et nous avons dit que désormais à la chapelle de la grâce, nous faisons des cultes avec des notes que nous prenons. Donc si tu n'es pas venu avec un bloc-notes, on va te donner le format. Et le prochain culte, tu viendras avec ton bloc-notes.
On n'écoute plus les cultes ici pour écouter. On écoute, on prend les notes. Et j'ai expliqué depuis mercredi, ce n'est plus une affaire d'avoir fréquenté. Que tu aies fréquenté ou pas, écris ce que tu comprends, ce que tu connais. Et c'est ça que tu vas aller relire. Personne ne viendra corriger tes notes. Ce sont tes notes. Et même si tu n'as pas fréquenté, tu peux te cultiver. Ce que tu lis dans la Bible, là, tu peux réécrire ça. Donc, tu dois te cultiver et ça te permettra d'évoluer. On peut parler de tu seras milliardaire, tu seras grand, tu marcheras avec les grands, tu iras signer un contrat que tu dois lire. Tu iras signer un contrat que tu dois comprendre. Tu peux ne pas avoir les diplômes, mais tu apprends. Tu peux aussi avoir les diplômes et tu refuses d'apprendre. Donc nous voulons dans notre église des personnes excellentes. Donc chacun de nous doit aspirer d'abord à l'excellence. Et je crois au deuxième culte de mercredi, nous disions, tu ne marcheras pas avec les grands pour coucher avec les grands. Tu marcheras avec les grands à cause de ton talent. Tu marcheras avec les grands à cause de ce que tu apporteras aux grands de manière intelligente. Donc, nous sortons de cet esprit de facilité. Il n'y a pas d'excellence dans la facilité. Commence par écrire ça. Il n'y a pas d'excellence dans la facilité. Il n'y a pas d'excellence dans la légèreté. Ne fais pas tes choses avec légèreté. Tout ce que tu dois faire, fais ça bien. Pas en commençant par les petites choses. Une vie d'excellence, c'est une école dans laquelle tu entres. Ne néglige pas. Fais des choses avec précision. Sois ordonné, sois organisé dans ta vie. Aie un planning de ta journée. Tu peux échouer dans le planning, mais tu auras quand même eu un planning. Et chaque jour qui viendra, tu vas t'améliorer. Il faut quand tu te lèves le matin que tu saches, de telle heure à telle heure, je fais ça. De telle heure à telle heure, je dis ça. À une certaine heure, je ne prends plus le téléphone. À une certaine heure, je ne suis plus sur WhatsApp. À une certaine heure, je ne fais plus ceci. Est-ce que ta vie est comme ça? Est-ce que tu sais qu'à un certain niveau de responsabilité, tu seras obligé de choisir ce que tu écoutes? À un certain niveau de gloire, tu seras obligé de choisir ce que tu vois. À un certain niveau de responsabilité, tu seras obligé de choisir même ce que tu manges. Quand tu es encore dans le bas peuple, tu n'as aucun projet, tu n'as aucune ambition, tu crois que la vie c'est tout ce qui vient, on prend. Mais quand tu montes, tu dois sélectionner tout ce qui rentre dans ta vie. Parce que ton cerveau n'est pas une poubelle. Tout ce que tu reproduis est lié à ce que tu as entendu. Tout ce que tu reproduis est lié à ce que tu as vu. Tout ce que tu reproduis est lié à ce que tu as vécu. Mais il y a des choses que tu ne dois pas voir. Dans ton quartier, il y a les maisons dans lesquelles on fait le satanisme. Tu n'es pas là pour voir ça. Tes yeux ne doivent pas tout voir. Tes oreilles ne doivent pas tout entendre. Quand on est excellent ou quand on aspire à l'excellence, on a une vie sélective. On sélectionne de manière minutieuse ce qui rentre dans nos vies. Tu arrives au milieu de tes amis, il y a un sujet qui ne te concerne pas. Tu dis, je suis désolé, je reviens après. Oh, elle se prend la tête, il n'y a pas de problème. Mon ami, quand tu sais là où tu vas, tu ne marches pas avec n'importe qui. Quelqu'un m'a dit, ben les pasteurs de la ville disent que tu te prends trop la tête, tu ne parles pas des pasteurs. On va parler de quoi? Ce n'est pas affaire de pasteur pour parler. On parle de quoi en fait, concrètement, on parle de quoi? De quel sujet? Tu ne peux pas choisir tes frères, mais tu dois choisir tes compagnies. Et parmi tes frères, il y en a qui ne doivent pas faire partie de tes compagnies. Il est ton frère,
tu l'aimes, mais il ne marche pas avec toi. Il veut l'aide, tu lui envoies l'aide. Il veut venir te saluer, il te salue, après il rentre. Parce qu'il a te pollué, il y a des frères négatifs. Il y a des frères pessimistes, il y a les frères qui aiment ramener en arrière. Donc, tu ne montres pas que tu aimes tes frères parce que tu les laisses te perdre le temps. C'est toi qui es ambitieux, c'est toi qui veux bâtir, mais tes frères te ramènent dans les affaires du bar. Ah, tu es obligé, tu es encore très jeune. L'affaire de construire, on peut construire l'année prochaine. Moi, je veux boire. Ah, c'est même vrai. Ah? Si ceux avec qui tu marches n'ont pas au minimum les mêmes ambitions que toi, ou bien au plus grandes ambitions que toi, change de compagnie. Soit on pense de la même façon, soit tu penses plus grand que moi. Soit on voit la vie de la même façon, soit tu as des choses, une façon de voir qui m'impressionne. Il y a un jour, j'ai demandé à mon père, quand les gens achetaient le terrain à Avenue Kennedy, tu étais où? Quand les gens achetaient le terrain à Vaucada, tu étais où? À l'époque, tu peux imaginer que le terrain n'était pas 200 000 mètres carrés. Puis j'ai dit qu'il a commencé à travailler, fonctionnait en 82. Pourquoi en 85, il n'a pas acheté un terrain à Vaucada? Il buvait la bière. Et à une époque même, pendant qu'il était toujours fonctionnaire, il avait des collègues qui faisaient partie leurs enfants en Allemagne. Nous nous envoyons au lycée bilingue des sauces. Mon frère. Quand ses collègues, les enfants avec le bac, ils les envoient en Allemagne, nous on nous envoie en Guayaquil. Donc il avait même des compagnies qui avaient des grandes ambitions. Mais leurs grandes ambitions ne l'intéressaient pas. Mais la partie, il fallait partir boire la bière, il était avec eux. Donc tu peux marcher avec les gens qui ont des grandes ambitions. Leurs grandes ambitions ne t'impactent pas. Tu peux avoir un père spirituel comme moi. Tout ce que je dis là, tu t'en fous. Quand le culte est fini, tu oublies tout ce qu'on a dit parce que tu ne peux pas reprendre les notes. Tout ce qui t'intéresse, c'est tomber. Il veut l'onction pour tomber. Si on a fait une semaine, tu n'es pas tombé, tu vois dans quelle mesure le prophète de ton quartier, là, tu vas aller le visiter. Proverbe chapitre 10, nous parlons de l'excellence avec l'alpha et l'oméga. À partir du verset 1. Il est écrit, Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Je commence par te dire ce soir, l'excellence avec Dieu n'est pas possible si tu commences ce que tu fais par la malhonnêteté. Les malhonnêtes peuvent avoir l'argent. Les malhonnêtes peuvent construire maison. Les malhonnêtes peuvent voyager. Mais parce que Dieu n'est pas dans ça, ils ne pourront pas finir excellent. L'excellence avec Dieu commence par un esprit d'honnêteté. Sois honnête envers Dieu, sois honnête envers toi-même, et tu pourras être honnête envers les autres. Beaucoup d'enfants de Dieu se mentent. Beaucoup de pasteurs se mentent. Ton église a 20 personnes, tu dis qu'il y a 2000 personnes. Tu ne peux pas progresser si tu ne te dis pas la vérité. Tu vis dans le paraître, tu n'as rien, mais tu fais croire aux gens que tu es quelqu'un, tu as quelque chose. Tu n'es pas honnête envers Dieu. Si tu n'es pas honnête envers toi-même, tu ne pourras pas être honnête envers les autres. Ton honnêteté te poussera à finir excellent. Amen. Sois honnête. Dis-toi la vérité. Ça ne va pas. Ça ne donne pas. Ça n'évolue pas. Ça bloque encore. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est une vie d'épreuve qui finira par devenir une vie de preuve. Ça commence par les épreuves. Après, tu auras l'épreuve. Amen. Mais comment tu veux les preuves si tu n'es pas passé par les épreuves?
Il y a une qualité de blocage, de problème que Dieu met sur ton chemin, que nous appelons épreuve. Si tu échoues à l'épreuve, dis-toi la vérité, j'ai échoué. Je reprends. Je voulais que cette semaine, je prie au moins 30 minutes chaque matin. Je n'ai pas pu. Sois honnête. Là, c'est ta vie spirituelle. Je voulais cette semaine prier et parler en langue. Je n'ai pas pu. Sois honnête. La malhonnêteté spirituelle a poussé beaucoup de personnes. Ils savent d'où vient leur problème. Ils renvoient sur les autres. Ils savent que la plupart des blocages qu'ils ont actuellement, c'est leur tétutesse. Mais ils renvoient sur les autres. Il renvoie sur le pasteur, il renvoie sur l'église, il renvoie sur son père, elle renvoie sur sa mère, alors qu'elle sait qu'il y a quelque chose que Dieu lui a dit là, qu'elle n'a pas fait. Tu ne peux pas être excellent si tu n'es pas honnête envers toi-même et envers Dieu. Les trésors de la malhonnêteté ne profitent pas de manière durable. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Ma version dit celui qui agit bien, celui qui agit de manière excellente envers Dieu, le Seigneur le protège de la faim. Mais à ceux qui agissent mal, le Seigneur refuse de donner ce qu'il désire avec envie. Donc si tu agis bien, si tu agis de manière excellente d'après Dieu, Dieu te garde. Amen. C'est pour ça que la Bible nous a dit, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, commet un péché. Quand tu arrives dans une salle comme celle-ci, tu vois un truc qui n'est pas bien, tu arranges. Dieu te bénit. La bénédiction, ce n'est pas seulement, je suis tombé sur l'argent, on m'a nommé. La bénédiction avec Dieu, c'est une puissance qu'il te donne, soit par la grâce, soit par récompense. La bénédiction avec Dieu, écrit ça, c'est une puissance, c'est une force que Dieu dépose dans ta vie. Qu'il te donne, soit par la grâce, soit par récompense. Et cette force ou puissance te permettra de faire des exploits au-delà de ton potentiel, indépendamment de ton intelligence. Quand Dieu te bénit, il dépose en toi une puissance pour faire les exploits au-delà de ton potentiel, de ton intelligence, de tes compétences. Soit par la grâce, tu n'as pas mérité, soit par récompense, tu as fait quelque chose et Dieu t'a donné. Donc, Église de Jésus-Christ, si tu agis de manière excellente d'après Dieu, Dieu te bénit. Amen. Depuis l'éducation maternelle, nos mamans nous avaient souvent fait croire, si tu veux, ou bien si elle t'envoie, tu dois d'abord lui poser la question, tu vas me donner les bonbons. Elle te dit oui. Et quand tu pars, tu rentres dans le bonbon. Quand tu donnes le bonbon physique, tu n'es pas béni. Donc, apprenez à agir de manière excellente sans demander des récompenses physiques. Vous aurez la bénédiction. Amen. Il y a des travaux que vous devez faire à l'église sans qu'on ne vous récompense. Il y a des choses que vous devez faire aux gens sans qu'on ne vous dise, sans qu'on vous dise mais merci. Et là, Dieu va vous dire merci. Donc celui qui agit de manière excellente, Dieu le bénit. Donc l'excellence a des bénéfices. L'excellence avec Dieu a des avantages. Est-ce que tu sais que si tu t'habilles bien et que les gens disent son Dieu l'a rendu bien, Dieu te bénit pour ça parce que à cause de ton habillement, on a célébré ton Dieu. Dieu a béni Daniel parce que grâce à la foi de Daniel, Nebuchadnezzar a confessé, c'est le Dieu de Daniel qui est Dieu. Le fait que tu t'habilles mal, tu te coiffes mal, tu te comportes mal, tu parles mal, tu vis mal, pousse les gens à maudire Dieu et Dieu te maudit.
Mais le fait que tu fasses les choses bien pousse les gens à bénir Dieu. Et Dieu te bénit. Donc, vivre dans l'excellence t'attire des bénédictions implicites, automatiques. Même si les gens du quartier, de ton Facebook, de ton travail ne te parlent pas, ils t'observent. Les gens observent ta façon de vivre. Les gens observent ta façon de te comporter. Les gens observent ta façon de parler. Les gens observent ta façon de vivre, de manger. Tout ce que tu fais, il y a quelqu'un qui observe. Et à la fin, il donne une note. Ah, elle est vraiment là, c'est une fille excellente. Et quand Dieu voit que quelqu'un croit grâce à ton excellence, Dieu te bénit. Amen. Il y a des gens qui sont arrivés dans l'église ici à partir du comportement de certaines personnes. Il y a des gens qui sont arrivés dans l'église ici à partir des publications répétées de certaines personnes. Il y a des gens qui ne sont pas arrivés ici à partir de nos mauvais comportements. Ils nous observaient, ils ont leurs problèmes dans le ventre. Ils n'arrivent pas à dormir la nuit, ils n'arrivent pas à être épanouis. Ils ont des blocages dans ce qu'ils font et ils cherchent une voie, ils cherchent une solution. Mais ils ont un problème, c'est que partout ils sont partis, on les a reçus dans les églises. Mais ils ne veulent plus mettre les pieds n'importe comment. Ils cherchent un endroit où il y a le sérieux. Ils commencent à t'observer, ils voient tes publications, les extraits du pasteur que tu publies. Ils voient comment tu parles de Jésus, ils voient comment tu te comportes. Un an après, ils te disent, est-ce que tu peux m'amener chez ton pasteur? Tu ne sais pas que ça fait un an que la personne la t'observe. Vivez de manière excellente. Il y a une façon d'évangéliser sans parler. Affaire de Jésus sauve et guérit, là, c'était avant, ça ne marche plus. Jésus sauve et guérit, c'est les années 80. Mais ça, du plein évangile. Ça ne marche plus. Maintenant, c'est Jésus fait. Voyez, Jésus a fait, regardez, Jésus a fait, confirmer. Nous sommes dans une saison où c'est des évidences. Nous sommes dans une époque où on vous regarde, on voit, soit il y a évidence, soit il n'y a pas évidence. C'est les évidences qui attirent les gens. C'est pour ça que j'ai dit à certains pasteurs, arrêtez de chercher à démontrer que vous êtes les vrais, les autres sont les faux. Le faux qui a les évidences va attirer plus que toi. Le faux pasteur qui prophétise plus va attirer plus que toi, laisse ça. Les gens ne sont pas là pour chercher à savoir si tu es saint. Ils veulent la solution à leur problème. Donc, sois excellent et ton Dieu va attirer les gens. Sois excellent, ton Dieu va impacter les gens. Sois excellent, des gens vont confesser que ton Dieu est Dieu. Donc, dis-toi que ta façon de t'habiller au quartier là repousse les gens. Ta façon de refuser de te brosser deux fois par jour là énerve les gens. Mais tu parles de Jésus à quelqu'un et pendant que tu parles, la salive tombe sur lui et quand elle tombe sur lui, ça tombe avec une odeur bizarre. Mais tu penses qu'il va continuer à t'écouter alors que la pâte coûte 300. Tu veux m'expliquer pourquoi tu n'aimes pas te brosser? Et comme il y a le cas génétique, tu ne sais pas que ça aggrave la situation. Le cas génétique aggrave la situation de la laine. Quand on n'est pas sûr de la laine et qu'on veut parler aux gens, on mâche le chewing-gum d'abord ou on suce les bonbons mentholés. Avant d'aller prêcher, juste les bonbons. Pour éviter que ton Jésus ne soit insulté. Quand tu portes ton casque et que tu arrives au bureau, rassure-toi. On ne sait pas ce que les casques nous font ici dehors. Non, tu te protèges contre le corona. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne sais pas ce que tu repousses les gens après t'être protégé. Tu pars d'un rendez-vous au restaurant. De la maison jusqu'au restaurant, tu as le cache-nez. Quand tu enlèves le cache-nez, l'odeur qui sort de là. Ce qui m'énerve avec la laine, c'est que toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que la laine est en train de te faire comme publicité. Tu crois que tu es arrivé, dès qu'on dit habillement, 10 sur 10. Chaussures, 10 sur 10. Make-up. C'est parfait. Coiffure, c'est parfait. Mais la laine. Elle dit, ça fatigue. Elle dit, quand on te voit à distance, on dit, yeuille, ça c'est la femme. Ça c'est un monsieur.
Mais quand on t'approche, après que tu as enlevé le cache-nez, donc même ta façon de refuser de te brosser la dérange. Ça peut repousser quelqu'un qui veut croire en ton Jésus. Ça peut empêcher quelqu'un de t'estimer ou de te surestimer. Les petites choses que tu négliges peuvent pousser les gens à ne pas confesser que ton Dieu est bon. Nous continuons. Celui qui agit d'une main lasse s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Ma version dit, main paresseuse apporte la pauvreté. Main courageuse apporte la richesse. Écris ça. Main paresseuse apporte la pauvreté. Main courageuse apporte la richesse. Main paresseuse attire la pauvreté. Main courageuse attire la richesse. C'est quoi une main paresseuse? C'est quoi une main courageuse? La main paresseuse ne fait rien. La main paresseuse fait s'arrête. La main paresseuse fait sans, fait mal. La main paresseuse fait pour faire. La main courageuse qui est obstacle ou pas ne s'arrête pas. La main courageuse qui est solution ou pas fonce. Donc quand tu vis dans l'excellence, tu es courageux. Quand Dieu t'a confirmé qu'il est dans l'affaire, tu ne t'arrêtes pas. Quand Dieu t'a confirmé qu'il est avec toi, tu n'abandonnes pas. Combien parmi vous avez commencé les petits commerces en début d'année, après les prophéties, après les enseignements sur la richesse? Aujourd'hui, tu as laissé toute ta marchandise dehors. Tu as donné la machine, ils n'ont pas payé, tu les as laissés. Va porter plainte. Tu as donné ta marchandise à quelqu'un, il ne t'a pas payé, va porter plainte. Même si c'est quelqu'un de l'église, on va l'enfermer, il va venir le faire sortir. Mais avant qu'il le fasse sortir, il aura une leçon. Le commerce, on ne joue pas avec. Hein? Si tu sais que ta sœur est malheureuse, ne donne pas ta marchandise. Hein? Va te faire tomber les affaires. Ton entreprise, si tu recrutes ta femme, elle n'est pas ta femme, elle est ton employée, elle est ta collaboratrice. Si tu recrutes ton frère, il n'est pas ton frère, il est ton employeur, ton collaborateur. On ne recrute pas les paresseux au nom de la famille. Ça va te faire chuter. Donc quand tu as les mains courageuses, n'associe pas tes mains aux mains paresseuses. Quand tu as les mains travailleuses, n'associe pas tes mains aux mains paresseuses. Je répète, quand tu as les mains travailleuses, ne les associe pas aux mains paresseuses. Si tu es un bosseur, ne mets pas ton frère dans ton affaire au nom de la famille. Ton affaire va tomber et tu ne seras pas excellent. Beaucoup de personnes ambitieuse, elle est à l'étranger, il est à l'étranger, il veut construire au pays, il envoie l'argent, on mange. Son frère, même père, même mange. Elle veut se fâcher, sa mère lui dit, tu tentes et tu te maudis. L'argent c'est quoi? Yay! L'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? L'argent c'est le sang. Quand tu t'es battu pour avoir ton argent, on ne dit pas l'argent c'est quoi? Donc si dans ta famille, la plupart ont les mains paresseuses, ne mets pas leurs mains dans ton affaire. Aime-les à distance. Ils sont nombreux, ils sont à terre à cause de la famille. Ils viennent prier ici, là. Et quand tu vas encore te bénir, tu vas encore les mettre dedans. Quoi, qui t'a dit que aimer, c'est d'associer tout le monde? Je vous ai dit qu'il y a des gens avec qui on marche, et il y a des gens qu'on aide à distance. Il y a les gens avec qui on travaille, il y a les gens qu'on bénit, à qui on donne à distance. Tu connais tes enfants, madame. Tu connais qui travaille, qui n'aime pas le travail. Celui qui n'aime pas le travail, mets-le de côté, nourrissez-le sur le bébé, il n'y a pas de problème. On ne le jette pas de la famille, on ne le chasse pas de la famille, mais on ne l'associe pas. Aux affaires des autres, pour empêcher qui viennent détruire les affaires de ses frères. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles le père du fils prodigue l'a laissé partir, parce qu'il savait que ce gars était paresseux. Il savait que ce gars-là allait continuer à perturber le travail. Il a dit que prends donc tu pars, nous allons continuer à travailler.
Et ce qu'il a pris n'a pas détruit ou altéré la richesse de son père. Parce que son père continue à travailler avec les autres. La paresse ne rime pas avec l'excellence. Tu ne peux pas être paresseux, tu dis que tu vas être excellent. Il y a plusieurs personnes qui font le premier culte. Ils vont rentrer, ils vont dormir jusqu'à demain. Mes amis, le temps mort à la maison, c'est pour réfléchir. Le temps mort à la maison, ce n'est pas pour la télé. Je veux les informations, je ne vais pas taper sur l'application RFI France 24 sur mon téléphone. Je vois les nouvelles informations du monde et je continue ma route. Comment tu es pauvre, tu vois la télé toute la journée parce que tu dis que tu es en vacances. Les vacances du travail de fonctionnaire doivent être un temps de réflexion pour une affaire secondaire. Ce que les autres appellent vacances doivent être un temps de réflexion pour toi, de méditation pour toi, de recherche pour toi, d'apprentissage. Tu peux apprendre, tu as 42, 45, 50 ans, à 5 ans de la retraite, c'est le moment d'apprendre autre chose. Je vous ai dit, la vraie retraite, c'est qu'on meurt. On n'est pas en retraite parce que l'État nous envoie à la retraite. Non! L'État t'envoie à la retraite, les problèmes ne vont pas aller à la retraite. Nous continuons. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Ma version dit, celui qui agit bien, de manière excellente, reçoit des bénédictions. Mais ceux qui agissent mal, de manière médiocre, cachent la violence derrière leurs paroles. Celui qui agit bien laisse un bon souvenir. Quand tu pars quelque part et tu fais bien, tu fais de manière excellente, les gens vont rester parler. Rassure-toi qu'à ton passage, que les gens parlent. Ah, on ne savait pas qu'elle était comme ça. On ne savait pas qu'elle était bien comme ça. Il faut toujours. Quand tu n'es pas là, que chacun dit ce qu'il veut. Mais quand tu passes, que chacun se ravise. Ça là, c'est une école, mes amis. Ne parlez pas pour parler. Parlez pour dire des choses cohérentes, des choses importantes, des choses intéressantes. Ne parle pas pour parler. Écris ça. Ne fais pas pour faire. Ne parle pas pour parler. Ne parle pas pour parler. Ne fais pas les choses pour faire. Parle pour dire des choses importantes. Parle pour dire des choses intéressantes. Parle pour dire des choses cohérentes. Si tu n'as rien de bon à dire, ne dis rien. Une personne qui se veut excellente écoute plus et parle moins. Tu écoutes d'abord avant de parler. Vous savez, quand vous êtes dans votre affaire de sous-quartier et d'église, quand vous êtes arrivé, il y a les milieux, quand tu entres, tu sens que le niveau est soutenu. Le niveau est élevé. C'est des intellectuels. Mes amis, il y a des moments où, j'avais dit un jour à ma soeur, l'église nous a abrutis. Oui, parce que démons, tombés, relevés. Ah. J'ai dit, pardon, sors, allons un peu, t'amènes au restaurant. Et le jour où on est parti au restaurant, elle était contente. Elle-même sentait la délivrance sur elle. C'est en 2014. Il dit, pardon, allons un peu au restaurant. Pardon. Il y a des moments où c'est quand tu sors et tu vas dans certains milieux que tu comprends que tu ne connais rien. Tout ce que tu connais dans la paix. Sois béni soeur, sois béni frère. Ne fais pas arrêter ça, On peut arriver comme ça, on parle des choses importantes. Vous avez dit qu'à la réunion des partenaires, on ne va pas parler de Jésus. On parle business. On va prier à la fin, on parle d'abord affaires, on fait des calculs. Parce que là, la réunion des partenaires, c'est objectif agent. Amen. Les gens veulent être riches, mais on leur enseigne racine carrée de 25. Au lieu de leur enseigner comment calculer l'argent, comment faire entrer l'argent, comment bien gérer l'argent. Pi, c'est 3,14. Quand on enseigne ça à l'école primaire, au lycée, au collège, mais quand on parle, il y a des choses importantes. Tu dois apprendre des choses pratiques.
Et l'église a ce problème. On a trop de théories de Moïse est monté, la mer rouge est fendue, un peu tordue, ça ne s'est pas bien fendu. Mon frère, je veux manger. Je veux me marier. Je veux voyager. Si ça s'est bien fendu, ça ne s'est pas bien fendu. C'est quoi les exégèses, les exercices? Ça nous sert à quoi? Donc, quand vous restez dans le modèle, dans le fonctionnement église, vous croyez que vous êtes arrivé? Vous avez les visions, les révélations. Oh, je t'ai vu la nuit. Oh, toi. C'est pas bon ce que j'ai vu. On te poursuivait, tu es tombé, ton pied s'est cassé. Il faut beaucoup prier. Ma soeur, tu as quelque chose à manger chez toi? Toi, tu vas vision sur vision, révélation sur révélation. Tu vas y en tomber chaque jour. Tu vois les gens qu'on poursuit, les gens qui meurent. Il y a des moments où, vos visions, il faut nous laisser ça. Il faut réfléchir. Ce que vous faites là, vos pères ont fait ça dans les années 80. Les années 90, les pères d'église ont fait ça. Les années 2000, ils ont fait ça. Il faut vous réveiller. On appelle ça équilibre. Un peu de vision, un peu de réflexion. Équilibre. Un peu de prière, un peu de travail. Tu peux passer toute ta journée à prier. Il y a une soeur qui m'a carrément fatigué. Elle vient plus à l'église parce qu'elle a trop de vision. Tout le monde est sorcier. Tout le monde est sorcier. Hey, c'est quoi ton problème? Et Dieu lui montre des choses incroyables. Vous qui avez beaucoup de vision, venez, je vous délivre, on diminue. Je diminue vos visions et je vous amène à travailler. Comment tu peux faire pour être plus spirituel que moi? Une affaire aussi là depuis avant toi. Je te dis que dans l'affaire ici, prie. Cherche le travail, prie, fais les affaires, prie, entreprends. Tu me dis que le Seigneur m'a dit 2 mois de jeûne. Mon ami, mon ami, fais attention. Tu t'improvises un retrait spirituel à tout moment. Oui. Une personne raisonnable accepte les autres, mais celle qui dit n'importe quoi va à sa perte. Écoute, dans l'excellence, il y a des ordres qu'on respecte. Il n'y a pas d'excellence sans ordre. Quand tu vas dans le ministère des petits témoins entreprises, je prends un truc bête comme ça, ou dans un ministère de l'emploi et du travail, tu peux entrer comme tu veux. Quand tu vas à la présidence, mon ami, tu sens que là-bas, ce n'est pas le petit ministère. Ici, là, c'est la présidence. Donc, depuis le portail à l'autre. Parce que c'est là-bas qu'il y a l'excellence. Ce que le jardinier fait, c'est sous les autres. Il ne coupe pas pour couper. Ce que le balayeur fait, il ne balaye pas pour balayer. Il balaye pour que ce soit excellent. Donc, là où il y a l'excellence, tout est fait de manière excellente. Ne demande pas l'argent à Dieu si tu méprises le matériel qu'il t'a donné. Regardez, le pianiste et le saxophoniste, quel est l'instrument qui est le plus sale? Pour ceux qui font la musique, quel est l'instrument qui est souvent le plus sale entre le piano et le saxophone? Tu sais pourquoi? Le saxophoniste se prend au sérieux. Il sait qu'il est rare, ils ne sont pas nombreux. Les pianistes sont les gens, c'est le vrac. Quand tu sais que tu es spécial, tu ne joues pas. Quand tu sais qu'il n'y a pas beaucoup comme toi, tu ne blagues pas. Même en termes de nom, vous n'êtes pas nombreux sur la terre. En réalité, quand tu sais que tu es particulier, tu ne joues pas avec ton environnement. On ne blague pas avec. Si on n'arrange pas pour toi, toi-même tu arranges. L'excellence à des côtes. Depuis le premier jour, je ne fais que le dire. Il y a des choses que tu dois t'imposer. Ne laisse pas les gens te dire. Tu vas où? Ce soir, je n'ai même pas prêché, j'ai seulement parlé. Tu vas où?
C'est peut-être parce que le pays est comme il est. Mais il y a des pays où, pas les choses que l'on pisse en route là, tu même tu. Ouais. Waouh. Tu arrives là-bas toi-même. Il n'y a personne en route, même la force pour pisser. Tu dis que pardon, je rentre d'abord à la maison. Parce que l'environnement est ordonné. C'est pour ça qu'il a dit, si tu es fidèle dans les moindres choses, je vais te confier les grandes. Si tu es excellent dans les moindres choses, il va te confier les grandes. Dieu n'est pas bête. Ces messages viennent pour une raison. Il y a des gens ici que Dieu va élever. Amen. Et l'élévation rime avec préparation. Écoute, Dieu ne va pas te bénir parce qu'on a prié pour toi. Dieu va te bénir parce qu'après la prière, tu t'es préparé. Mardoché n'a pas seulement prié pour Esther. Mardoché a formé Esther. Je suis convaincu du niveau de grâce que vous avez. Mais laissez-moi vous dire, la grâce ne suffit pas. La grâce ne suffit pas. L'onction ne suffit pas. La prière ne suffit pas. Préparez-vous. Entrez dans votre élévation. Préparez-vous. Entrez dans votre gloire. Il y a une qualité de travaux. Là-bas, il n'y a pas d'erreur possible. Tu fais l'erreur, ça paralyse le pays. Tout se fait avec précision. L'Église a besoin de sortir de la médiocrité. La prière qu'on va faire maintenant, c'est pour... On va prier contre la médiocrité personnelle. Amen. On a trop cultivé, encouragé la médiocrité personnelle. Commence par chez toi, je te dis. Commence par ton rangement de tes vêtements. Commence par la façon de nettoyer tes chaussures. Commence par là, tu vas voir. Laisse l'affaire d'argent. Amen. Amen. Mets-toi debout, on va prier. Jésus assis sur son trône. Jésus assis sur son trône. Jésus assis sur son trône. Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus. Jésus assis sur son trône. Saint-Esprit. Fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je voie. Pour que je voie Jésus. Jésus assis sur son trône. Doux sentignon, doux sentignon. Quelque chose dans ma vie.
Touch me one more time, oh Lord. Touch me, yeah, yeah. Touch me one more time, oh Lord. Touch me, touch me, touch me. Touch me one more time, oh Lord. Touch me, touch me, touch me, yeah. Touch me one more time, oh Lord. I need a touch of the Master. I need a touch. Touch me, one more time, oh Lord. Touche-moi encore une fois. Demande à Dieu de te toucher. Touche-moi. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche ma vie, touche mes pensées, papa. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Je dis, papa, touche-moi encore une fois, Seigneur. Oh, j'ai besoin de ton toucher, de ta grâce. Touche-moi, j'ai besoin de ton toucher, de ta grâce. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Lève tes mains, je prie pour toi. Que le Dieu de l'excellence te rende excellent. Amen. Que le Dieu de l'excellence te donne l'esprit d'excellence. Amen. Que le Dieu de l'excellence te donne l'esprit de l'ordre. Amen. Que le Dieu de l'excellence te donne un esprit de discipline. Amen. Que le Dieu de l'excellence te donne un esprit d'écoute. Amen. Un esprit de sérieux. Amen. Que le Seigneur te prépare pour la grandeur. Amen. Que le Seigneur te prépare pour la gloire. Amen. Que le Seigneur te prépare pour les auteurs. Amen. Que le Seigneur te prépare pour la promotion. Amen. Que ce Dieu te parle. Amen. Qu'il t'enseigne. Amen. Qu'il t'équipe. Amen. Et qu'il te bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame Jésus, assieds-toi.